Thank you so much for having me on your show. I want to say good afternoon to all your auditors and to Voice of America colleagues. PADF has been working in Haiti for the past 35 years, and as such has always worked to support Haitian communities and Haitian institutions to ensure that there is sustainability in all the activities that we have. In that sense, PADF has worked with the government of Haiti, various agencies. One of them is the BMPAD, the Bureau de Monetisation, who is the agency acting on behalf of the government of Haiti in the implementation of certain programs that PADF is involved with, has been executing on behalf of the government. I see that you pronounce your French very well. Vous parlez français aussi? Un peu? Bien entendu. Super. Et créole aussi quand il le faut. Ben oui. Donc, mais est-ce que vous êtes satisfait du travail qui est fait sur le terrain? Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques zones, quelques régions et du pays où le PADF a vraiment un poids, où le PADF travaille vraiment et a des résultats concrets en termes de réalisation? Oui, tout à fait. La PADF a travaillé dans plusieurs secteurs de développement ici en Haïti, notamment dans le secteur agricole, le secteur de développement communautaire, travaillant avec les populations les plus vulnérables pour leur donner accès à des activités, des opportunités économiques, à travers un des programmes qui a été implémenté pour le gouvernement haïtien avec un financement de la Banque mondiale, qui est le programme de développement communautaire dans les zones urbaines et les zones rurales, notamment dans le sud et le sud-est. Dans les zones urbaines, on a travaillé dans plusieurs quartiers aux côtés du gouvernement haïtien, dans des quartiers très précaires comme Cité Soleil, Bel Air, Martissant, Simon-Pelé et Carfefeuille, où nous avons implémenté des projets communautaires au niveau des communautés, productifs, d'infrastructures, d'éducation, de santé, et ainsi de suite. Nous avons aussi, dans le cadre de la reconstruction après le tremblement de terre, appuyé les initiatives du gouvernement haïtien à travers des financements de la Banque mondiale, mais aussi de USAID, à reconstruire les quartiers d'abord à travers des actions de réparation de maisons pour s'assurer que les populations pouvaient retourner chez elles dans des endroits qui étaient sécurisés. Ensuite, nous sommes passés à une période de réhabilitation de quartiers qui était post-urgence, utilisant toujours les plateformes communautaires que nous avions développées tout au long des années, ce partenariat avec les communautés et les institutions locales haïtiennes, pour introduire des interventions de développement en termes d'infrastructures, en termes réhabilitation de quartiers, d'assainissement, d'intervention au niveau de l'eau, d'intervention au niveau de l'énergie et surtout intervention au niveau de l'habitat. Et c'est dans ce cadre que nous continuons à œuvrer aujourd'hui. Donc, dans le cadre de l'habitat, il y a eu des constructions de routes, des constructions de complexes multifamilles, et toujours sous l'égide du gouvernement haïtien et du BMPAD comme maître d'ouvrage, et la PADF en tant que maître d'ouvrage délégué dans le cadre de ce programme. Et est-ce que le PADF a quand même une équipe de superviseurs pour évaluer la qualité des travaux financés par cette institution financière? Absolument. En plus des activités au niveau du développement communautaire, la PADF a aussi œuvré dans le cadre de ses activités de développement économique avec la USAID pour un programme de développement de petites et moyennes entreprises. Et ce programme a aussi eu des partenariats avec la diaspora. Un exemple de l'engagement de la diaspora dans ce programme de USAID est
que à travers une compétition de plan d'affaires, nous avons donné appuyé une trentaine d'entreprises. 9 d'entre elles sont des entreprises qui sont menées par des membres de la diaspora. Quant à l'évaluation des résultats, cela se fait à travers des indicateurs très précis et il y a eu des évaluations qui ont été menées par nos bailleurs de fonds ainsi que la PADF à l'interne. Et aujourd'hui, par exemple, dans le cadre de Delma 32, vous verrez que après le tremblement de terre, ce quartier s'est reconstruit avec des infrastructures qui ont permis de donner une énergie aux activités commerciales de ce quartier vibrant. Ça a permis aussi d'assainir l'environnement, d'éclairer avec la mise en place des lampadaires dans le cadre du programme que nous exécutons. Et donc il y a eu un capital non seulement d'habitat, d'infrastructure, d'assainissement et aussi de sécurité dans cette zone. Et on peut voir la transformation qui se fait et l'impact que ça a sur les habitants de cette zone très très précaire. Oui, vous avez mentionné tantôt la Banque mondiale, l'USAID, et est-ce que ce sont les seuls partenaires financiers, les seuls bailleurs de fonds que le PADF a, c'est-à-dire dans l'exécution de ces programmes? La PADF a travaillé avec plusieurs institutions de développement, notamment USAID, la Banque mondiale à travers le gouvernement haïtien, mais nous travaillons aussi avec la Croix-Rouge américaine. Nous avons travaillé de par le passé avec la coopération canadienne, ainsi que le gouvernement de Taïwan et bien d'autres. Nous avons eu plusieurs partenariats dépendamment des programmes. Et votre enveloppe budgétaire est canalisée de quelle façon? Et est-ce que c'est le BMPAD qui distribue directement l'argent? Comment ça se fait? Dites-nous. Dans le cadre du programme du gouvernement haïtien avec le financement de la Banque mondiale, c'est un financement qui vient directement du BMPAD. Et le projet est géré par le BMPAD pour le gouvernement haïtien. Et la PADF est un maître d'ouvrage délégué qui exécute les opérations sur le terrain. Est-ce qu'on peut parler d'enveloppe budgétaire? Et au moment où je vous parle, combien vous avez déjà décaissé et combien il vous reste encore dans votre plan budgétaire pour les activités que vous financez? Dans le cadre, vous parlez de manière générale pour la PADF en Haïti ou dans le cadre du programme de réhabilitation de quartier? Je parle du le BMPAD et PADF, et c'est par extension PADF, si vous voulez. Pour la PADF, dans le cadre global de nos programmes qui sont... Nous avons aujourd'hui à peu près 5 programmes ici en Haïti. Nous avons une enveloppe budgétaire qui varie entre 12 et 15 millions l'an. Et c'est des activités qui varient, qui ne sont pas seulement celles appuyées par la Banque mondiale à travers le gouvernement haïtien. Et pour le BMPAD? Le BMPAD, à ce moment-là, il va falloir demander peut-être au BMPAD leur budget annuel. C'est pas grave, mais dans le cadre du programme que nous avons à Delma 32, c'est un programme qui avait commencé avec 14 millions il y a de cela 4 ans et qui se termine cette année fiscale. Et pour finir, Madame Charouk, quels sont les projets en perspective pour les années à venir, d'ici 2016-2020 par exemple, si je veux me situer un peu? Est-ce que vous avez déjà de nouveaux projets en perspective? Et pour Haïti, pour aider ou quand même au développement? Bon, la PADF est là pour appuyer, comme je vous ai dit, les communautés haïtiennes, le développement d'Haïti. Et tant qu'on peut continuer dans cette mission, nous serons présents en Haïti, dépendamment des financements que l'on reçoit. Aujourd'hui, avec les programmes que nous avons en cours, nous voudrions continuer à travailler dans non seulement le développement communautaire, mais aussi continuer à œuvrer pour cette résilience urbaine
que nous avons entamé à travers les programmes que j'ai décrits tantôt, ainsi que des programmes de mitigation de désastres que nous avons implémentés de par le passé. Nous avons aussi des programmes de résilience rurale, notamment dans le Nord-Ouest, avec un financement de la Croix-Rouge américaine, et qui permet d'introduire des activités de génération de revenus pour des populations qui sont très très démunies et dans des conditions climatiques très difficiles, comme vous l'avez peut-être entendu. Et je pense que sur les prochaines années, ce sera aussi une priorité pour Haïti, et nous serions heureux de continuer à appuyer dans la mesure de nos capacités et de nos financements. Et Haïti, aujourd'hui, fait face quand même à une certaine instabilité et en voie d'être résolue, je dirais entre parenthèses. Mais est-ce que cette situation représente un obstacle pour l'exécution des activités, des projets de développement sur le terrain en Haïti pour le BMPADF? Pour la PADF. Voilà, pour le PADF. Pour la PADF, de par son expérience en Haïti, a pu travailler aussi dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, nous suivons de près la situation politique, mais vu la nature de nos projets, qui sont des projets communautaires, on appuie à tout instant non seulement les institutions locales, mais aussi les institutions centrales. Nous, la PADF, nous concentrons sur la continuité de ces activités, et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'impact majeur à signaler, et je pense que ça continuera à être le cas jusqu'à une résolution finale pour Haïti. Eh bien, à voir de la main, je vous remercie, Madame Nadia Charouk, d'avoir été assez aimable et gentille de bien vouloir nous donner cette interview. Et en français, et on allait le faire en anglais, mais il faut mieux parce que c'est mieux, c'est plus facile, parce que sinon, on allait faire ce qu'on appelle le voice-over, parce que la population haïtienne comprend bien le français, donc ce sera plus facile, et de faire et véhiculer le travail que vous faites, les gens puissent vraiment avoir une idée, apprécier quand même le travail que fait le PADF sur le terrain. Voilà, mais je vous remercie. Je vous remercie beaucoup, et merci à vos auditeurs et auditrices, et bon après-midi. Et pareillement, je remercie aussi l'équipe qui a pu faciliter, qui écoute cette interview et qui a pu faciliter quand même cet entretien. Merci. Au revoir. Merci à Voice of America. Thank you. Bye. Au revoir.